S'éloigne, s'installe des discours qui font peur, j'en témoigne. Qui donc possède-t-il le remède qui soigne? Quel est le bon dosage de douceur et de poigne? En tout cas, on n'a pas le droit d'évoquer le non-lieu. On est tous coupables de ne pas ouvrir les yeux. On est trop minable et l'on voudrait tous croire en Dieu. La violence chez l'homme est un crime aux yeux. Mais on va pas nous la faire malgré les décennies. On a passé à l'arrière malgré tous les ennuis. On est pour suivre celle de la voie d'énergie. Et même genou à terre, on va se poursuivre. Toujours et toujours. Du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Dans le calme sont endormis, pas le moindre bruit. Le quartier a rendu son silence à la nuit. Pas de pleurs, pas de cris. On devrait fêter ça, mais le cœur n'y est pas. Allez savoir pourquoi. On a le sentiment d'être exclu et puni, d'être oublié du droit. Mais quand certains se disent en place que plus rien ne les dépasse, et pour très cher se déplacent toujours en première classe. Je dis que grand bien leur fasse, voilà tout ça je m'en passe. Je préfère monter des vases et faire des dédicaces. Toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Perçoivent pas la détresse des pauvres gens qui voudraient vivre en paix tout de suite et maintenant, qui voudraient se nourrir et se loger décemment, qui ne veulent plus être obligés de se montrer violents et ne plus voir les prisons se remplir de leurs enfants, qui aimeraient vivre heureux tout simplement et arrêter de répéter que c'était mieux avant. Et si on doit tous les jours aller au charbon pour nourrir la famille en risquant la prison, ça n'est pas une vie, pas une vraie solution. Nous on en a pas envie, c'est pourquoi nous nous battrons. Toujours et toujours, on manque dans nos cœurs, il y a de l'amour.